Boulevard Saint-Michel, l'une des principales avenues de Cotonou. Le centre de promotion de l'artisanat, CPA. Sous ces jolies maisonnettes en latérite et au toit de paille, se travaillent le bois, le fer, les tissus et les métaux. Ici, c'est le bois qui sert de matériau de travail. Salut, ici c'est Sounouvou Kossi, Coco, je suis ébéniste. Je fais la sculpture en général. Et en général, je veux parler des bas-reliefs et des statuettes, et tout ce qui est dans le domaine de la sculpture sur bois. Avec le bois, on a une communication qui est très, très, très sincère. On parle à travers le bois nous parle, on le parle aussi. Dans ce village artisanal qu'est le CPA, on fabrique des objets d'art destinés à être vendus aux touristes, mais également aux Béninois férus d'art africain. Le travail se fait ici sans relâche. On fabrique des objets de toutes formes, allant de la porteuse d'eau, au penseur, à la légende des trois singes, ou simplement à l'homme et la femme. Ils sont généralement d'inspiration africaine et constituent de magnifiques souvenirs pour les visiteurs. On manie également les métaux au CPA, en l'occurrence l'or et l'argent, afin d'en faire des bijoux. Dans cet atelier, par exemple, on peut trouver des bracelets, des bagues et tout autre type de bijoux. On peut les acheter déjà fabriqués ou les commander selon le choix et l'inspiration personnelle. Là aussi, l'inspiration est généralement africaine. Des articles de tissage sont aussi fabriqués et proposés aux acheteurs. Autre type de travail textile, la confection de boubous ou de souvenirs typiquement béninois avec des tissus portant la carte du Bénin ou des chapeaux rappelant ceux des rois et chefs traditionnels. Un atelier de joaillerie traditionnelle où sont créés de nombreux bijoux. Je vous laisse regarder. En face, un restaurant italien. Ça tombe bien, il fait très chaud. Allons boire un verre. On trouve aussi au CPA des masques africains et autres figurines fabriquées à base de fer ou des sacs et objets en tissu. On y trouve aussi des instruments de musique, kora, tam-tam,